Le mental, c'est le plus important. Une grande force physique n'est pas nécessaire. Le courage, c'est bien, mais on ne doit pas faire n'importe quoi. Là, tout de suite, j'ai besoin de conducteurs de tracteurs ou de mécaniciens. Des hommes qui ont au moins quelques notions techniques. Y a-t-il des conducteurs de tracteurs parmi vous? Oui, moi. C'est tout? T'as entendu? Chut. Désolé, mon lieutenant. Qu'est-ce que t'attends? Tais-toi, vas-y. T'as entendu la question du lieutenant? Oui, j'ai entendu. Ben alors, t'es tractoriste? Mécanicien. Pourquoi? C'était ça la question. Ah bon? T'es pas trailleuse de vache? Il est lent, hein. T'es con, Moskolenko. Je suis mécanicien, je connais bien les locomotives. Pour ce qui est des tracteurs, je connais un peu le communard et encore de loin. C'est bon, ça ira. Mais s'il faut réparer, il y a peu de chances que j'y arrive. Il s'agit pas de réparer. Tu vas te débrouiller pour détruire. Ils ont différents types de véhicules blindés, mais je ne vous parlerai que des principaux, ceux auxquels j'ai eu affaire. Voici le premier, très léger, moins de 10 tonnes. Si on le regarde de profil, il est à peu près comme ça. Donc ici, quatre galets de roulement de grande taille, c'est à ça qu'on le reconnaît facilement. Sa tourelle de commandement est équipée d'un canon, comme ceci. Un canon de quel calibre? 37 mm. Là, ils ont été un peu légers. Les deux mitrailleuses de 7,92 ici et ici. T'as vu ça? Tu m'étonnes, il n'y aura jamais une occasion de les utiliser. C'est une bonne mitrailleuse, mais il faut tout le temps la nettoyer. Si tu te laves pas les mains en sortant des chiottes, tu peux pas tirer. Non, sérieusement, c'est une bonne mitrailleuse, mais tu peux l'utiliser que si t'as du savon à portée de main. Ben voyons. Soldat. Moskolenko, si je me trompe pas. Soldat Moskolenko, oui, c'est bien ça. Vous faites beaucoup de bruit et on n'avance pas. Si vous avez du temps à perdre, sachez que le mien est très précieux. Non, mais c'est que je voulais soutenir le moral des troupes. Le moral des troupes n'est pas votre problème. Y a des gens pour ça. Vous êtes instructeur politique? Non, mais le voilà, notre instructeur politique. Oui, c'est moi. Je m'appelle Klotchkov. Klotchkov et Dieff, c'est la même personne? Vous l'avez devant vous. J'ai eu des échos. Oui, des histoires. Faut pas y croire. Te fâche pas, lieutenant. Moskolenko est un moulin à paroles. Mais même sous le feu de l'ennemi, il oublie jamais de plaisanter. C'est pourquoi je le sanctionne pas. C'est très bien s'il est comme ça au combat. C'est bénéfique et j'approuve. En tout cas, ici, je veux de la retenue. Je suis d'accord. Ivan Vassilievitch, va falloir baisser d'un ton. Le lieutenant a bien d'autres soucis à part s'occuper de nous. Je suis désolé. Ces mitrailleuses ne sont pas des MG. La carcasse est la même, mais elles sont tchèques. On peut utiliser les mêmes cartouches. C'est une arme légère, mais coriace. Parce qu'à 300 ou 400 mètres, ça perce un blindage en moins de 2. Cela dit, il est peu probable que les Allemands s'en servent dans l'assaut. Pour les choses un peu plus sérieuses, ils ont des tanks. Mais c'est important de tout savoir. Oui, camarade colonel. Tout à fait. Non, pas encore. Mais je pourrais déjà vous montrer quelque chose. Tout à fait. Oui, camarade colonel. Bien sûr que j'arriverai à temps. À vos ordres. Stasenko, mon cheval est scellé. Je m'en occupe tout de suite, camarade commandant. Ça, vous connaissez? J'aurais préféré autre chose que ça. Avec ça, on est bon pour la gueule de bois. Elles sont un peu différentes de celles d'avant. C'est presque les mêmes, mais aujourd'hui, plus d'allumettes ni de mèches. Elles sont toutes prêtes pour le combat. Le point négatif, c'est que si elles se brisent dans vos mains, vous cramez. Donc, à manier avec précaution. Ça va chercher dans les combien en degrés? Moskolenko, il faudrait trouver des bouteilles vides. Celles prises à l'ennemi, c'est bon aussi? Oui, de préférence avec des bouchons. Très bien. Et de préférence au pas de course. Oui, mon lieutenant. Prenez quelqu'un pour vous aider. On y va, Petrouk. Vous autres, approchez. Hé, hey, Petrouk. Quoi? Si on diluait ça dans un ou deux seaux d'eau, ça pourrait être bon, non? Les gars ont pu se reposer, alors maintenant on se bouge. Piotr Vassilievitch. Oui? Je veux voir tous les officiers des compagnies à 18h. Entendu, camarade commandant. Allez. Des appareils et des fentes de visée. Exact. C'est une Gerbaïev, l'épaisseur de la plaque de blindage frontal de la coque? De la coque? 30 mm.
Exact. Et ici, Natarov? 30 aussi, comme presque partout. C'est juste plus fin ici et ici. C'est là qu'il faut balancer une grenade. Voilà, c'est bien, mais ce n'est que de la théorie. On va passer à la pratique. Allez, Moskalenko, encore à toi d'entrer en scène. Fonce chez les démineurs, chercher des matériaux de construction. Oui, camarade lieutenant. Quel genre de matériaux? C'est pour réaliser une maquette de char allemand grandeur nature. Et qu'ils mettent le paquet. Et je prends quoi? Je te note tout. Et au pas de course, je veux finir ça avec vous aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On prend un bain tous les deux jours, on risque de s'habituer. Pas vrai, Stasenko? Moi, je dois pas m'habituer à ça. Je ressens le besoin de me reposer en permanence. Au service du commandant, cette envie de repos ne me quitte pas. C'était pas à lui qu'il fallait dire ça. Heureusement que tous les soldats sont pas comme lui. Faut toujours qu'il jacasse. Les soldats aussi, ça fait une semaine qu'ils n'arrêtent pas. Bah ouais. Creuser, c'est pas se reposer. Cette semaine, les gars ont creusé tellement de tranchées qu'on pourrait y faire rouler le métro de la capitale. Ils en peuvent plus de ce bagne. C'est normal qu'ils veuillent se Allez, reposer. Allez, c'est bon, Stasenko. Quand le commandant sera de retour de l'état-major, t'auras de quoi réjouir tes soldats. Je ne sais rien au sujet de l'offensive, mais on nous promet une bataille historique. Les Allemands, eux, se sont sans doute reposés. Du coup, on peut s'attendre à vivre bientôt une expérience inoubliable. Donc, pour les mesures, 5 pelles de longueur, 1,5 de hauteur. On construira la tourelle séparément. Si vous permettez, camarade lieutenant. On va faire comment pour déplacer ce cheval de Troie? Sur un traîneau. On va se servir de la neige. L'exploit d'un soldat de l'armée rouge, les gars. Le camarade Kilin, soldat de l'armée rouge, a trouvé un canon allemand camouflé. Le courageux soldat a rampé sans qu'on le voie jusqu'au canon ennemi. À l'aide de quelques grenades, a détruit et a tué le canonnier. Les Allemands, alarmés par le bruit des explosions, sont arrivés et ont encerclé le héros. Voulant le capturer vivant, ils se sont approchés du brave homme. Les laissant venir au plus près, il a rajouté sa dernière grenade. Celle-ci a explosé, tuant sur le coup plusieurs soldats allemands. Ce héros de l'armée rouge est mort au champ d'honneur. Encore un exploit. De la compagnie de mitrailleuses de Kourenkov? C'est ça. Tu l'as déjà vu aussi? Mais non, je lis pas ça. Ça doit être gênant, hein, chef? D'avouer que t'as plus de tabac. Demande-moi, je t'en trouve. Mais chacun son opinion. Je vais te dire, pour moi, cette histoire de camarade Filin et de sa dernière grenade n'a jamais existé. En attendant, on est en novembre, Vassili Georgievitch, et ta feuille de chou date de septembre. Ah oui, de septembre. Ah oui. Je la connais pas, moi, cette histoire. Y a pas grand-chose à connaître. Avec 8 mitrailleuses d'Ektiarev, ils ont filé une telle raclée à un bataillon de Fritz qu'ils avaient plus de guibolles pour fuir. Bah oui, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Ça n'a rien d'extraordinaire, ces exploits. T'en trouves dans toutes les gazettes. Il va servir à quoi, ce tank en bois? On va mener une offensive avec? De quelle offensive tu parles? Dis-moi, Stepanic, d'où tu sors ça, hein? D'où je le sors? Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Écoute-moi bien. Ils veulent se battre. Alors ils disent n'importe quoi. C'est bon. Avec quoi tu veux qu'on se batte? Est-ce que t'as vu des renforts arriver? Des munitions? Des nouveaux équipements? Hein? Alors, des vrais gosses, tiens. Je sais pas, peut-être que ça va arriver. Qu'est-ce qu'on attend, sinon? 3 semaines qu'on bouge pas. Voilà. C'est là où je veux en venir. Pourquoi les Allemands nous laissent autant souffler? Ici? Ouais. On a creusé des tranchées. En vue d'une offensive? Non. Si on nous a envoyé le lieutenant, c'est pas pour rien. Des troupes sont peut-être passées à l'offensive ailleurs. Mais pas ici. Ça n'en prend pas le chemin. Va falloir rester patient pour l'instant. Rester patient, ça je peux. Mais seulement si je sais que les nôtres mènent une offensive ailleurs. Là, ça me dérange pas de rester inactif. Je suis bien d'accord. Là? Oui, là. Ça marche. Hein? Ça avance plus vite que ça! Lance-la! Trop tard! Tu l'as lancé trop tard, Sengirbayev! Elle a juste fait boum pour faire joli! Et vous, pourquoi vous vous êtes arrêté? J'en ai donné l'ordre! Vous passez au-dessus de la tranchée et après c'est la débandade! C'est moi qui dois vous dire quand vous vous arrêtez! Et toi, si t'as raté ton coup et que t'as laissé passer le tank, alors tu l'attaques par derrière! Tu balances 1, 2, 3 bouteilles! Le char s'enflamme et toi tu te planques pour pas cramer!
Reste toujours dans la tranchée. Il y aura beaucoup de tanks. Si tu meurs, qui les arrêtera? Allez vous reposer. Allez, à vous. La force de frappe allemande dans ce secteur se compose à l'heure actuelle de 4 divisions de tanks et de 3 divisions d'infanterie. Il semble qu'une partie de ces troupes soit destinée à mener une action depuis Volokolamsk en suivant la direction de Klin et Dmitrov. Ces troupes vont contourner Moscou par le nord. L'autre partie se prépare à frapper directement depuis l'ouest. Dans ce contexte, l'importance stratégique de la route de Volokolamsk est assez difficile à déterminer. Les Allemands essaieront vraisemblablement de déployer des troupes le long de cette route et de sortir à l'est de Yadrovo, évitant ainsi nos zones de défense anti-chars. Pour exécuter une telle manœuvre, ils auront la possibilité d'effectuer différents mouvements. Depuis la route de campagne de Mouromtsevo ou à travers champs jusqu'à la bifurcation, puis direction Yadrovo ou Pitomnik. De Jdanovo en passant par Nelidovo. Entre Bolshoye-Nikolskoye et Petelino. Par la campagne en direction de la gare de Matryonino. Autre option possible, de Krasikovo en longeant la voie de chemin de fer jusqu'à Dubusekovo. Notre tâche est d'empêcher le déploiement des forces ennemies le long de cette route et de faire en sorte qu'elle reste confinée dans ce secteur. Nous disposons de 4 compagnies pour affronter 3 régiments. Notre tâche est claire, les retenir à tout prix, oui, mais pendant combien de temps? Dans l'immédiat, pour contrer l'assaut de l'ennemi, nous n'aurons pas l'aide de la réserve. Et malheureusement, tant que l'offensive n'est pas lancée, nous ne pouvons que spéculer sur la direction de leur attaque. Camarades de l'Armée Rouge, lors des dernières batailles, vous avez tous fait preuve de courage à maintes reprises. Ces agresseurs fascistes qui envahissent notre territoire ont tenté de parvenir jusqu'à Moscou à tout prix, au cœur même de notre patrie. Mais là, et pour la première fois, ils ont senti dans leur bouche le goût de leur propre sang. Là, pour la première fois, ils ont douté de l'invincibilité de la grande armée allemande. Et là, pour la première fois, ils ont dû s'arrêter net.
parce que vous étiez là pour leur barrer la route. Pour la première fois, l'ennemi a ressenti la rage de l'impuissance. Son plan de guerre éclair a échoué. Et de cette rage, il a retiré une grande force et s'apprête à frapper à nouveau. Il rêve encore de faire une percée en direction de notre capitale. Mais maintenant, il sait ce qu'il attend. Maintenant, il sait à quel point les Russes aiment leur patrie. Et il sait ô combien nous sommes prêts à nous battre pour elle. Et maintenant, la peur ne le quitte plus. Soldats de l'armée rouge, les fascistes sont en marche sur Moscou. Ils vont tenter de nous réduire en poussière avec leur aviation, de nous balayer avec leur artillerie, de nous renverser avec leurs chars et leur infanterie. Mais l'ennemi ne passera pas. Parce que nous serons là, en travers de son chemin. Mes frères, l'histoire ne manque pas de soldats courageux. Mais aucun d'entre eux n'a été honoré d'un aussi grand destin. Aujourd'hui, il n'y a pas que Moscou avec nous. Il n'y a pas que notre vaste patrie. Aujourd'hui, tout en retenant son souffle, c'est le monde entier qui nous regarde. Parce que sur nos lignes de front, nos soldats se battent pour le défendre. Nous nous montrerons dignes de cet honneur. Et donc, il racontait que, quelque part au Japon, enfin, il y a longtemps, au siècle dernier, je crois, une bande s'était formée et que cette bande terrorisait tous les environs. Les gens vivaient en enfer. Il y avait un petit village qu'elle avait vraiment poussé à bout. Si bien que les villageois ont décidé de se battre avec les bandits à la prochaine occasion. Autant mourir en combat. Ça, c'est bien vrai. Bon, bref. Mais comme ils pigeaient pas grand-chose à la guerre, ils ont décidé d'embaucher un... Comment ça s'appelle? Un spécialiste, quoi. Un peu comme notre lieutenant. Un noble. Enfin, un seigneur. Et avec quel argent? Ils l'ont embauché. Bah, j'en sais rien. Peut-être un emprunt. Je me souviens plus de ça. En tout cas, pour résumer, il a analysé la situation, puis il est parti en reconnaissance. Et il a embauché 6 autres gars. Des notables ou des nobles, je sais plus, j'en sais rien, je sais plus trop exactement. Des samouraïs, peut-être? Bah oui, puisque je t'ai dit que ça se passait au Japon. Donc, d'après ce que je me souviens, ces hommes ont pris la défense du village. Non mais, vous imaginez? Il y avait apparemment 40 bandits, si c'est pas plus. Et eux, ils étaient 7? Bah oui. Ils ont fait ça pour l'argent? Pour de l'argent ou pas, je m'en souviens plus. Payé à crédit, eux aussi? Mais, oh, laisse-le raconter, t'es pénible avec tes questions. Ouais, d'accord. Et c'est quoi la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'est que ces combattants connaissaient bien leur boulot. Ils ont construit des fortifications, posté des sentinelles, choisi parmi les paysans, assuré la liaison. Bref, la totale. Je dirais qu'ils étaient bien préparés. Alors, quand les bandits ont déboulé dans le village... Eh ben, ça s'est pas fait. Sans perte. Mais ils ont trucidé les bandits. Tous? Tous? Non, il y en a peut-être un qui s'est barré. Il a réussi à s'enfuir, mais ils s'en sont débarrassés. Une bonne chose de faite. J'ai déjà entendu cette histoire. Sauf que c'était pas au pays du soleil levant, mais en Amérique. Et puis, c'était pas des nobles. À ce qui paraît, ces gars étaient de simples bergers, qui savaient très bien tirer. Le reste de l'histoire est pareil. 7 gars contre 40. Ça, les amis, ça s'appelle un conte populaire. C'est une histoire à dormir debout. Depuis quand les bergers sont des tireurs d'élite, hein? J'en sais rien. Chez nous aussi, à Mungat, les bergers sont des gens hors du commun. C'est ça. Et chez nous, à Péricope, les bergers sont aussi hauts que des haricots géants. Vous avez jusqu'au matin pour vous installer et à 8 heures, vous venez au rapport. Et surtout, pensez à me tenir au courant de tout changement. Est-ce que c'est bien clair? Tout à fait. Donc, tu as la 316e d'infanterie sur le flanc droit. Et puis, sur le flanc gauche, la 50e de cavalerie. Tu es le point de jonction. Fais bien attention. Je serai vigilant. On suivra les instructions. J'espère bien, c'est la mission que je vous donne. Vous inquiétez pas, camarade commandant. Cette fois, on va assurer. C'est vrai qu'on s'est perdu dans la forêt de Spa, c'était un vrai labyrinthe. On n'emmenait pas large. Là, tout est prêt. Les Allemands sont derrière et Moscou est devant. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout, mon commandant. En fait, mon commandant, c'est très simple. Les Allemands préparent une action. Nous savons où et quand. Qu'est-ce qu'on attend? On comprend pas. Pourquoi on leur file pas une raclée pendant qu'ils se préparent? Oui, et avec quoi leur filer une raclée? J'ai pas les troupes nécessaires pour aller les frapper là-bas et assurer notre défense ici. Alors on s'enfouit dans nos belles tranchées et on ne bouge pas. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair, mon commandant. Nous tiendrons la position. Jusqu'à la mort.
mais c'est pas jusqu'à la mort qu'il faut tenir, mais aussi longtemps que possible. Vous voyez la différence? Pour tenir aussi longtemps que possible, il faut rester vivant. Il faut bien comprendre la nuance. Vous l'avez comprise? Oui. Parfaitement, mon commandant. Vous pouvez disposer. Ce sera tout. Alors ça, c'est même pas vrai. L'histoire des bergers n'était pas vraie, mais celle-là, on l'a racontée dans un manuel d'histoire. Une bande de 10 000 hommes. C'est déjà une armée. Bah oui, c'était une armée. Il y avait la guerre, mon ami. La guerre? Là, c'est pas pareil. Pourquoi il y avait si peu de Grecs, alors? On n'en a pas trouvé plus, ou quoi? J'ai aussi pensé au départ qu'ils seraient pas assez nombreux, mais au final, il s'est avéré qu'ils étaient pile poil. Ah ouais. Donc les Grecs étaient que 10 000 et ils ont zigouillé toute une armée. Et ils s'en sont sortis? Mais non, ils s'en sont pas sortis. Contrairement à vos bergers, ils sont tous morts. N'importe quoi. Elle tient pas la route, ton histoire. C'est des bobards. Des bobards, ton histoire. Il faisait déjà nuit. Et la vieille femme a entendu des soldats arriver. Elle est sortie pour voir. Vous êtes des nôtres, qu'elle dit. Qui veux-tu que ce soit, petite mère? Je lui réponds. Et elle, oh Dieu merci. Et elle fait le signe de croix. Et elle dit, mes enfants, vous savez, les Allemands ne sont pas très loin. Hier, ils ont bombardé toute la journée. Même l'église, ils l'ont pas épargné. Cette bande de maudits païens, des musulmans. Et ah, elle insiste encore, des musulmans. Et elle refait le signe de croix. Et Mouzambek me dit en kazakh, elle sait toujours pas, la vieille, qu'il y a ici 2/3 de descendants de musulmans. La grand-mère a sursauté en l'entendant. Eh oh, les petits gars, vous êtes bien des nôtres? Et Mouzambek s'est alors penché vers elle et lui a dit dans un russe parfait, on est des vôtres, regarde un peu nos tronches. Tu les as pas reconnus? Des kazakhs, des kirghiz, des ouïghours et des dunganes. Et la grand-mère, ça existe des tronches pareilles? Et après elle dit... Il y a déjà plus de Russes ou quoi? Les barjots, ils ont effrayé la grand-mère. Elle qui a dû déjà pas mal en pavé dans sa vie. J'imagine avec vos tronches et dans le noir en plus. Allez, que Dieu vous garde. Les musulmans. Un peu de nerf, les gars. Dans très peu de temps, le jour va se lever. Il va nous falloir tout camoufler. Tout nettoyer, pour qu'on ne nous repère pas du ciel. Et ensuite, on pourra faire un petit roupillon de 2 heures. Et après, c'est la popote? Après, on va creuser une position factice. T'entends ça? J'y crois pas. Et dire que je me demandais comment on allait passer le temps. Apparemment, on va même pas dormir après une nuit blanche. Eh ben oui, les gars, c'est comme ça, vous dormirez plus tard. Encore un petit effort. Il va falloir que notre opération camouflage soit drôlement efficace. Parce que là-bas, les frites sont tout sauf des crétins. Allez, les gars, on termine ça. On mange quoi, alors? T'auras qu'à choisir à la carte. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il y réfléchit. Ah. S'il s'amène par ici, là, d'après ce que je vois, on va faire un beau carton. Où tu veux qu'ils aillent? Ils vont pas s'enfoncer dans la forêt.
Et plus loin, c'est Nelidovo. Il y a la deuxième compagnie là-bas. Alors c'est pour ceux qui savent rien de tout ça et qui veulent juste faire un tour par ici. Je leur réserve de quoi s'amuser. On fait comme tu veux, mais... Pourquoi ils auraient peur de toi? Il suffit qu'ils crachent de leur tourelle et tu te retrouves à genoux. Eh ben ça, ça reste encore à voir. Soulève la bête, on va la planquer. Garde à vous. Repos. Bon, voyons un peu ce qu'on a. Continuez, continuez. Repos. Mais c'est quoi, ça? Et si on doit changer de direction? Et on en prépare une autre. Camarade capitaine, on est comme dans une forteresse. Les tanks ne peuvent pas nous écraser et on a un bon angle. On va encore régler le tir aujourd'hui. Et où est la position de rechange? Juste ici. Et on en prépare une autre. Oui, deux valent mieux qu'une. Dans l'ensemble... Dans l'ensemble, ça va. Je me souviens quand notre instructeur politique nous a lu à haute voix un tract allemand. Oh là, c'est possible du tribunal. Ouais, on y était presque. C'était chaud, il a dû s'expliquer avec le capitaine, mais c'est pas de ça que je veux parler. Dans ce tract, il était écrit que si on voulait se rendre aux Allemands, il fallait agiter un mouchoir blanc. Histoire d'être pris au sérieux. Avec nous, il y avait Tchiosov de la première compagnie. Un gentil paysan, c'est sûr. Mais idiot, où je vais trouver mon mouchoir blanc? Alors je lui ai dit, bah, t'as qu'à enlever tes bottes, et t'agites une chaussette. Et lui, mes chaussettes sont pas blanches. Comment ça, elles sont pas blanches? Fais voir. Et cet idiot enlève ses bottes pour me montrer. Et là, putain de merde, tu parles d'un blanc. Noir comme un drapeau de pirate. Donc je lui ai dit, t'es foutu, ils te fusilleront. Ça va pas faire un pli, ils te fusilleront. Enfin, à condition qu'ils aient le temps de mettre un masque à gaz. Et après, je lui ai dit, t'es condamné à rester dans l'armée rouge, Tchiosov. Mais t'es prié d'enlever tes bottes qu'en cas d'urgence. On a tous rigolé. Et lui, il a rien pigé à ce que je voulais dire. Un idiot, je te dis. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? C'est tout simplement ce chiffon blanc. D'ailleurs, les gars, je me demande si on n'exagère pas un tout petit peu côté faux camouflage. Ils se diront, leur camouflage est tout pourri, on les voit à 10 km. Ils auront envie de nous bombarder. C'est pas l'envie qui leur manque, crois-moi. De loin, ça devrait le faire, et leur donner la chair de poule. Oui, ça serait bien. Peut-être qu'on devrait en planter une dizaine pour qu'ils n'osent pas ramener leurs fraises. Je suis bien d'accord. Ah, les Allemands sont malins. J'ai entendu dire que dans nos avions d'attaque au sol, il n'y a pas de mitrailleuse à l'arrière. C'est bien que les Messerschmitt avaient pour habitude de leur tirer dans la queue. Mais la nécessité est mère d'invention. Et comme tout le monde le sait, on est les champions du monde pour ça. Un Russe a eu l'idée d'installer à la place d'une mitrailleuse un long tube sortant à l'extérieur. Pour faire peur. Ça faisait croire qu'il y avait une mitrailleuse. Ah. Et puis? Et puis, c'est tout. Ça a marché. On pourrait presque déposer un brevet aujourd'hui. C'est pas très équitable. Nous, on peut pas trahir. Mais elle, si. Et pourquoi elle peut? Parce que ce n'est que de la terre, et rien d'autre. Rien d'autre? Ben oui. Le terreau sur lequel on vit, rien d'autre. Quoi? Ça te choque ce que je te dis? C'est déjà pas mal. À chaque peuple sa terre. Je suis d'accord. Mais il y a autre chose de plus important. Si on se bat contre les Allemands, c'est pas que pour le terreau. C'est pour autre chose. C'est vrai ce que tu dis. C'est pour autre chose. Parce que ce n'est pas qu'un terreau, c'est aussi... C'est notre berceau, notre nation. Même sous le joug, une nation peut survivre. Elle sera piétinée, brûlée, morcelée durant des années, voire des siècles. Elle baignera dans les larmes de sang, c'est sans importance. La patrie, c'est différent. Parce que c'est là où nous vivons conformément à des règles. Celle est dictée depuis la nuit des temps par nos pères. C'est pour ça qu'on l'appelle la patrie. La nation, c'est la terre à laquelle on appartient et où l'on vit. Et la patrie, c'est comment on y vit. Et le peuple? Quoi, le peuple? Le peuple, c'est des gens. Des gens qui parlent la même langue et vivent sur le même territoire.
Mais enfin, Vassili Georgitch, ça peut pas être aussi simple que ça. Si on prend un Français, par exemple, ou un Allemand qui veut apprendre le russe et vivre ici, ça fait de lui un russe ou pas? Je sais pas pour l'Allemand, mais pour le Français, bah, on verra comment il se battra avec nous contre les fascistes, ça dépendra. Peut-être que oui. Qui sait? Oh non, quand on parle du loup... Tu crois qu'il vient par là? Mais non, avec les jumelles qu'ils ont, ils arrivent à voir tous les poux que t'as sur la tête. Mais avant, ils s'approchaient plus près, c'est parce qu'ils avaient pas de jumelles ou quoi? Avant, ils nous prenaient pour des bleus, mais après qu'on en ait descendu une dizaine, ils se sont souvenus qu'ils avaient de très bonnes jumelles. Ils doivent voir qu'on n'a pas de canon anti-aérien, alors? On peut l'abattre avec des fusils. Mais non, c'est n'importe quoi. Ah bon, tu crois? Dans un régiment à côté, ils en ont descendu un comme ça. Ça a fait l'objet d'un communiqué. Je le crois pas. Mais si, c'est vrai. Ouais. Il a raison. C'est qu'une boîte en ferraille. Pense à un avion en papier. T'y croiras. Bah, si c'est aussi simple que ça... Pourquoi on lui réglerait pas son compte? Hé, hey, Chadrine, qu'est-ce que tu fais? Repose tout de suite ce fusil. Pas bien? T'es tombé sur la tête ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Pour rien. Je devrais être en train de dormir, mais je suis là à me plier en deux pour décorer ce chef-d'œuvre. Je bricole un tas de bois. Et pourquoi, d'après toi? Je te signale que j'attends depuis ce matin qu'ils arrivent. Laisse-lui le temps de repérer la position. Laisse-le tirer deux, trois coups, ça le défoulera. On doit faire comprendre aux Allemands qu'on n'est pas là pour faire de la figuration. De toute façon, il va le louper. Ou pas. Alors, tu l'as eu? Et puis, merde. Kerat, c'est Petkov. Où tu vas? Voir les filles. Ah, c'est bien. Et voilà, ça pèse au moins 200 kilos. Et où est-ce que vous avez pris ça, les gars? On a négocié chez les sapeurs. Et cher? Gratuit. Ils avaient pas de mine, les sapeurs? Quoi? Et des mines, ils en avaient pas, les sapeurs? Ils n'avaient que des barbelés. Ils nous ont dit, prenez-en autant que vous voulez. Alors on a fait comme ils ont dit. Vous êtes des voleurs, les gars. On peut y retourner, hein. Mais on prendra plus léger. On a trimé comme des bœufs. Bon, on verra ça. Peut-être qu'on enverra quelqu'un. Faut que je vous raconte, mes frères, le genre de riche paysan qui vit aujourd'hui près de Moscou. Vas-y, raconte. Ouais. J'ai dit à Danila, puisqu'on peut avoir du barbelé gratuit ici, on en prend un deuxième rouleau et puis on l'échange à un paysan contre un gros sac de patates. Donc, avec Danila, on taille la route. Bref, tout va bien. On voit un village, on y va, on frappe à la première maison. Un grand-père tout décrépit nous ouvre, il regarde notre rouleau. Que diable voulez-vous que j'en fasse? Fichez-moi le camp. Pfeu. Bon, on frappe ailleurs. Il regarde le fil, qu'est-ce que je vais en faire? Alors je lui dis... Vous êtes tous fous ici, mais fais-en ce que tu veux. T'as pas vu l'état de ta clôture? C'est pas une clôture. C'est un carton d'invitation. Et il répond, merci de vous inquiéter pour moi, mes braves. Mais j'ai pas du tout envie de voir mon beau paysage gâché par de la ferraille. Ça risquait de lui gâcher la vue, vous voyez un peu? Voilà. Et donc? Ah oui, c'est pour dire que... on n'aura pas de petite pomme rissolée pour le dîner. On mangera ce qu'on nous donnera. Camarade capitaine, le commandant pour vous. Capitaine Gundilovitch. Pavel Mikhailovitch, quelles sont les nouvelles? Elles sont bonnes, camarade commandant. On a trimé toute la journée. Là, on se repose. C'est bien, reposez-vous. Ici aussi, on est dans les temps.
Vous aurez besoin d'être en forme. Demain, réveil avant l'aube. Et maintenez la liaison. On fera de notre mieux. Parfait. Vous allez avoir la visite du commandant de batterie du régiment d'artillerie. Donnez-lui un coup de main. Si demain les choses se compliquent, le lieutenant-colonel nous appuiera. Entendu, camarade commandant. C'est tout. Et maintenant, tâchez de dormir un peu. Klotchkov est dans les parages? Il est juste à côté de moi. Ça le concerne aussi, bien entendu. Bien sûr. Alors, exécution. Comment ça se passe là-bas? Tout va bien. Il a dit de dormir. Et c'est tout? Et aussi que... Il a dit aussi que demain, Georgi Fyodorovitch viendra ajouter un peu de sel, si la soupe est trop mauvaise. Ça réchauffe le cœur d'entendre ça. C'est bien. C'est bien. Ils sont du genre précis, hein. Ah, dis donc. Heureusement qu'ils n'ont pas localisé notre trou ici, hein. Ça, pour être précis, ils sont précis. Ça fait déjà 3 heures qu'on est bombardés. Et on n'a presque aucune perte. Une perte d'audition seulement. On peut dire que... on n'a peut-être pas de blindés, mais au moins... on s'est creusé. On se débrouille pas trop mal avec nos fausses tranchées. Ça va, vous dormez pas, les gars? Tu plaisantes, camarade. Cette foutue sérénade me donne plutôt envie de vomir. De toute façon, c'est plus l'heure de dormir. On va pouvoir s'activer. Vous avez du tabac? Non, plus rien à fumer. On fait que de la buée. J'ai de quoi agrémenter cette buée. Vas-y. C'est fini, là. Il me casse les oreilles. Oh, les enfoirés! C'est bon, le tabac, il a rien? Non, c'est bon.
Ça ressemble pas aux Allemands. Et là, ça y ressemble plus maintenant. Là, je les reconnais bien. On a droit à un vrai concert en direct. De tous les calibres, ils nous gâtent. Je suis sûr que le chef d'orchestre est là. Ouais. Il s'est un peu laissé emporter, leur chef d'orchestre. Il serait temps qu'il passe à l'entracte. À l'entracte, les frites vont se jeter sur le buffet. Ça tombe bien, on a mis le couvert. Et on va les recevoir dignement. Oui. Qu'est-ce que tu fais planté là comme un piquet? Mets-toi à l'abri! Cette terre ne pourra plus être labourée, elle est truffée d'acier. Qu'est-ce que tu racontes? On labourera et on sèmera. Mais pour ça, il nous faudra des bras. Alors couvre ta caboche! Un appel. Ils se dirigent droit sur nous. C'est la fin des tirs, on doit être prêt à les recevoir. Va bien les autres, je vais chercher le capitaine. Oui. Pas de précipitation. Pas de précipitation, les gars. N'ouvrez le feu qu'à mon commandant, lorsque vous m'entendrez siffler! Dans un premier temps, on tire deux coups. L'infanterie va se resserrer, les tanks ralentir. Et là, on y va. Je parie qu'ils vont rien comprendre. Arrive droit sur nous. T'as pigé? Où tu veux qu'ils aillent? Je veux dire qu'on n'aura pas à leur courir après. Et ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Tu sais ce qu'ils pensent, là? Que tout se passe comme prévu. Qu'ils ont trouvé notre point faible. Et qu'une fois qu'ils seront faufilés entre nos lignes, ils rattraperont la route. C'est parfait. Ils peuvent toujours essayer. On va pouvoir leur montrer, s'ils ne le savent pas encore, qui sont les Russes. Et s'il y a chez nous des points faibles. T'en penses quoi? Oui, on va leur montrer. Au fait, je suis Kazakh. Et alors, Kazakh, c'est pas russe? Pourquoi tu m'embrouilles la tête, là? On se bat tous pour la même Russie, oui ou non? Mais oui, je plaisante. Tu plaisantes. On ira aussi se battre pour le Kazakhstan. On leur montrera aussi qui sont les Kazakhs. Tu peux compter sur nous. Marché conclu. Thank you.
Batterie tire sur infanterie et char MIR-47. Batterie tire sur infanterie et char MIR-47. Obus explosif à fragmentation. Obus explosif à fragmentation. Deuxième charge, direction tir principal, droite plus de 30. Deuxième charge, direction tir principal, droite plus de 30. Direction de tir principal, droite plus de 30. Niveau plus 002. Niveau plus 002. OSA 124, troisième charge, un obus, feu. OSA 124, troisième charge, un obus. OSA 124, troisième charge, un obus. Prêt. 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 Feu. À droite, 25, tir long. OSA 122, plus à gauche, 011. OSA 122, plus à gauche, 011. Oui. Éventail 015, 4 charges, tir en salve rapprochée. Éventail 015, 4 charges, tir en salve rapprochée. Oui. Salve. Salve. Harceler notre artillerie, ces vautours. Les vautours ne mangent que de la charogne. Ceux-là, c'est du sang frais qu'ils veulent. Camarade commandant, ordre de déplacement. La batterie s'en va. À vous de prendre la suite, Fyodor Ivanovitch. Il faut tenir la position. Thank you.
Celui-là a la chenille endommagée. Et l'autre là, je pense que c'est le bogie. Ça va leur prendre qu'une demi-heure pour réparer. Faut absolument que tu les crames avant. Allez, envoie-moi la sauce maintenant. On va les faire frire au but perforant. Et ben voilà. On dirait que... ils ont vite compris la leçon, hein. Inquiète pas, ils sont pas partis pour longtemps. Tu sais ce que je pense? Il y a un truc qui leur a déplu. Hé, hey, j'ai pas raison? Mais non, ils ont adoré. Là, ils appellent des copains et ils vont revenir avec. Des renforts, c'est ça? Des renforts, ouais. Des renforts. Ah, c'est ça. D'accord, c'est comme ils veulent, hein. Des renforts. C'était couru d'avance qu'ils seraient échaudés à la première attaque. Et là, ils pensent qu'ici, c'est un cimetière, alors qu'en fait, chez nous, c'est plutôt la fête. On est heureux de recevoir leur char et leur infanterie. Et il est clair qu'ils sont bien obligés de battre en retraite. Ils se sont peut-être dit que s'il y avait quelqu'un de vivant, ils l'auraient vu s'enfuir. Et pourquoi ils se diraient ça, hein, chez Miyakin? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tiré une seule fois? On va le faire, t'inquiète. Kryuchkov et Maximov, suivez-moi. Sans doute changer de tactique. Faire marcher leur cervelle et revenir avec plus d'ardeur. Ils vont exploiter tous nos points faibles. Ouais, mais avant, on va avoir droit à un concert d'orgue. Ouais. Et on doit s'attendre à ce qu'ils jouent beaucoup plus fort. On s'en fiche. On est dur de la feuille. C'est bon. T'es blessé, mais tu vas t'en sortir. On a arrêté l'hémorragie. Maintenant, le plus important, c'est que tu penses à toi. T'as compris? T'as tout fait comme il fallait. Tout va bien. Hé, hey, tu te rends compte? T'es un héros! C'est énorme ce que t'as fait. Tout va bien, Pashka, tout va bien. Allez, tu vas reprendre des forces pour la suite. Hein? Conduis en douceur, mais vite! Il en reste trois. Klotchkov au rapport. Avec le soutien du régiment d'artillerie, la première attaque de l'ennemi a été repoussée. On a mis hors d'état de nuire 4 tanks et un peloton d'infanterie. Quelles sont les pertes? Tout le monde est vivant. On a envoyé à l'infirmerie 6 blessés. Pacha est gravement touché, donc on va se débrouiller seul. Dans l'ensemble, tout va bien. On attend une nouvelle attaque. Compris. Dans ce cas, ne perdez pas de temps. À vos ordres.
Là, ils font leur réglage de tir pour tenter de nous démolir. La question est, combien de temps ça va durer? Ils manqueront de précision. La nuit tombe vite. Ils vont pas essayer de traverser nos lignes. La nuit tombe vite, peut-être. Mais là, on n'a encore rien vu. Ils vont augmenter la pression. Ça va être autre chose. On va se prendre un déluge. Bon. Il y a de la place? Viens te mettre là. Ça va? Natarov, va te mettre à l'abri. Dépêche-toi! Qu'est-ce que t'as? T'es blessé, Natarov? Non, ça va, camarade sergent. Mais arrête un peu de me bousculer. Je vais rater le gibier. Ça va pas la tête. C'est les tanks que tu dois détruire, Natarov. Avant de s'attaquer aux tanks, il faut que j'en descende au moins un de ceux-là. Sinon, ils vont jouer les coqs comme dans un poulailler. Bravo, Natarov. Là, t'es très fort. Va t'abriter maintenant et tu te magnes. Que tout bien réfléchi, on se retrouve dans une position avantageuse. C'est sûr que c'est un sacré avantage pour nous. Qu'ils soient tous aussi trouillards. Pourvu que de peur, ils nous tuent pas tous. Faudrait pas qu'ils soient trop nerveux avec leurs munitions. Ils n'ont pas de trip, Sengirbaïev. Alors va pas te faire tuer avant l'heure, hein. Comment veux-tu qu'ils sachent si c'est pas une ruse ou un piège ici pour toute leur division de chars, hein? Bah, ils sont bêtes. Non, ils sont pas bêtes. Ils voient bien qu'après nous avoir pilonné la moitié de la journée, leur infanterie est à bout et leur tank brûle. Les Fritz lanceront encore un autre assaut. Si on leur donne pas du fil à retordre maintenant, ils vont passer et semer la misère partout. Personne ne va dire le contraire, camarade sergent. Seulement, vous voulez vraiment nous expliquer la tactique? Et pendant qu'on parle, on se fait tous massacrer? La seule tactique à suivre est de ne pas jouer les héros. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gars, vous ne devez pas mourir pour la patrie. Mais vous devez vivre pour la patrie. Tu parles d'une idée. Tu risques d'être bien déçu. On n'est qu'une poignée, on va tous y passer. Si on doit mourir, eh ben on mourra. T'as dit quoi? Tu vas mourir et qui va se battre à ta place? Et les autres, tu t'en fous? Mort au combat et c'est tout, le reste c'est pas ton problème. Que les frites nous anéantissent ou qu'on s'en sorte, ça t'est complètement égal. Ah bah oui, c'est commode. L'important c'est ce qu'on pensera de toi, mort au champ d'honneur. Tu seras lavé de tes péchés et t'auras pas à en commettre d'autres. Seulement c'est pas si simple, on saura que finalement ta mort aura été sans intérêt. T'emporte, sergent, personne n'a envie de mourir. Sauf que ça dépend pas de nous. Tu fais erreur. Vivre ou mourir, c'est une affaire très personnelle. C'est ça. Quand tu te prendras un obus ou une balle perdue dans la caboche, tu m'expliqueras comment tu comptes gérer cette affaire très personnelle. Me casse pas les pieds avec tes balles perdues, Chemiakin. Ça va peut-être se calmer. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends, juste un petit bobo. On va te soigner ça tout de suite. La dernière fois que je suis allé chez le dentiste, j'ai souffert le martyr. En comparaison, toi, c'est rien. Avec ça, tu seras tout neuf. Hé, les gars, on pourrait peut-être discuter philosophie un peu plus tard, bien que le sujet soit fascinant. On a peut-être des choses à faire, non? Oui, au boulot. Tout est question d'attitude. Et notre attitude doit nous dicter l'élimination méthodique de l'ennemi. On est peut-être qu'une poignée, mais eux n'en savent rien. On
pourrait aussi bien être 50 poignées. Les Fritz sont en train de réfléchir à la stratégie à mener. Pour eux, c'est déjà une affaire réglée, un travail facile, une formalité, quoi. C'est ce qu'ils se disent, les Fritz. Si on les fait pas reculer, on va tous cramer. Mais s'ils reculent, ils passeront pas nos lignes aujourd'hui. Et on pourra tranquillement brûler leurs tanks. Surtout pas d'acte d'héroïsme, ça sert à rien. Quatrième compagnie, répondez. Quatrième compagnie, répondez. Deuxième compagnie, donnez-moi la liaison avec la quatrième. Quatrième compagnie, répondez. En position et prêt au combat. Vivant ? Vous êtes combien ? Trois. Bien. Alors, venez avec moi, les gars. On doit évacuer les blessés. Il y en a beaucoup ? Oui. Et combien de morts ? Beaucoup. Sur la bête. Allez. Alors, la bête, tu t'ennuies? Patience, ma belle, je vais tout de suite t'enlever ta laisse.
J'arrive. Petrouka, Doutov Petrouka, va t'occuper du réseau, faut rétablir la ligne. Fais vite, je compte sur toi. Si on n'arrive pas à réparer, dis-leur d'envoyer deux autres charrettes. D'accord. Ou même trois. C'est bon, c'est réparé. Bravo, Petrouka. Klotchkov au rapport. J'écoute. Lourde perte dans la 4e compagnie. Beaucoup de morts et de blessés. Il ne reste que 28 soldats en état de combattre. On n'a plus qu'un canon, deux fusils anti-chars, une mitrailleuse, des pistolets mitrailleurs, des fusils... Des fusils, on en a plein maintenant. Faudrait des renforts, camarades. Commandant. Négatif. Vassili Gyorgyevitch. Je n'ai malheureusement pas de renforts à t'envoyer. Il faut vraiment que tu essaies de tenir. Je te le demande, essaie de tenir, mon ami. On essaiera, camarade commandant. Servant, à vos pièces. Les autres, vous formez des équipes de trois. La tâche de chaque équipe, détruire un tank. La tâche du canon, détruire un tank. Il y a donc 9 tanks qui doivent brûler. Ça, c'est pour commencer. On va déjà voir ce qu'ils vont dire de ça. Ensuite, on verra. L'idéal serait d'en cramer deux à la fois. Étant donné les circonstances, mes frères, on n'a pas le choix. Même si notre patrie est immense, et que nous sommes prêts à mourir pour elle, il n'y a pas la place pour reculer, et on ne peut pas mourir. Tant que nous n'avons pas stoppé les Allemands. C'est ça notre boulot. Il n'y a plus que nous. Avant Moscou. T'es figé? Tu veux une invitation? Allez, amène-toi!
Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte? Que les fascistes ont jeté 14 grenades dans votre abri et que vous les leur avez toutes renvoyées? Combien? 14, rien que ça. Et puis quoi encore? C'est des conneries, les écoute pas. Ils sont vraiment idiots. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Combien alors? 5, c'est tout. 14. 5? 5. Après ça, ils ont pigé. C'est qu'un peu plus tard qu'ils en ont balancé une sixième. Ils pensaient que je la verrais pas et que je pourrais pas la leur renvoyer. Et vous avez fait quoi? J'ai rien fait du tout, je te raconterai une autre fois. Et quand ça? Cette nuit, avant de dormir. En plus, c'était même pas un abri. Cette fois-ci, ça va être du travail d'orfèvre, camarade commandant. Je les laisserai bien s'approcher un peu plus, pour être sûr de les avoir et jusqu'à ce qu'ils croient qu'on est tous morts. Vas-y, c'est une bonne idée. D'accord. Maintenant, ils doivent être dans leur tank. Soit en train de faire leur prière, soit en train de maudire le diable qui a mis les Russes sur leur chemin. Heureux de pas être tankiste. C'est la mort assurée. Si, t'as dit quelque chose? Vive la patrie, j'ai dit. Hein? Je suis bien d'accord. Bon, il y en a un paquet. Thank you.
Attention! Ah! Et maintenant, c'est le royaume des cieux qu'il va rejoindre, ce bâtard! Petya, on va faire peur aux bandits. Allez, Vania, montre-nous ce que tu sais faire. C'est les tanks, c'est l'infanterie qu'il faut avoir.
Vassili, Vassili. Toi, il crame ou pas? Dis-moi, j'y vois rien. Non, il crame pas. Mais il peut plus rouler. Brûle-le, Shemyakin. Dépêche-toi, vas-y, allez, lâche-moi. Fais-le toi-même, Grisha, allez. Shemyakin, t'as encore des munitions? Ouais. Tiens, prends ça. Et maintenant, suis-moi, vite! Allez. Je suis vivant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas une fille. Ah, les salauds, on peut dire qu'ils mettent le paquet. Et nous, on n'a plus de grenades. Allez, on va chercher Dief. Il est où, Dief? Vite, allez! Ça va aller, camarades. Ils sont pas si nombreux, en fait. Thank you.
Non, mais t'as vu ça? Notre Danila, c'est un magicien, hein? Y a plus que toi, ou y a d'autres survivants? Peut-être qu'il y en a, mais j'en ai pas encore vu. T'es très rusé, Danila. T'avais mis de côté quelques munitions. Tu les as bien harcelées. Mais non. Je crois que tu les as impressionnés, les Allemands. C'est bien. Ce n'était que de la chance. N'importe quoi. De la chance. Y a combien de chars, d'après toi, dans ce tas de ferraille? Eh bien... ça fait pas mal, je dirais. Une cinquantaine, quelque chose comme ça? Disons que... on pourra encore gonfler ce chiffre pour nos petits-enfants. Pour les Fritz, ça fait 14 tanks détruits, ça leur suffit. 14, si on prend pas en compte les 4 autres de ce matin. Pourquoi on les prendrait pas en compte? Bien sûr qu'il faut les prendre en compte. Ce que je veux dire, c'est que... jusqu'en fin de matinée, on était une compagnie entière, et qu'à la deuxième attaque, on était moins d'une section. C'est de sacrés durs à cuire qui sont tombés pendant cette attaque. Ils sont morts en héros. Vous êtes tous des héros. C'est comme ça qu'on se bat aujourd'hui. Bientôt, d'autres périront. Parce que la guerre... c'est ça.